You want my proof that this flat? I have some. But what one thing we all agree on is that we don't live on a spinning ball flying through infinite space. Je vais vous montrer des preuves indéniables que la Terre n'est pas ronde. This video the simplest, irrefutable. You guys have heard of Google Maps, right? Êtes-vous prêt à connaître les preuves que notre planète est plate? Ok. Je vous disais dans la vidéo sur les animés que j'aimais beaucoup l'astronomie, et c'est vrai. Je dois avouer que c'est un sujet que je veux faire depuis longtemps. L'univers regorge de mystères. Sauf que, avant de vous parler de la météo de Mars, de Jupiter ou des comètes qui viennent nous rendre visite de temps en temps... Salut la Terre, ça va? Allez, hey, tu restes pour souper? Non, désolé, je ne fais que passer, on se revoit dans 75 ans! Je dois vous parler de notre planète parce que la théorie de la Terre plate commence... énormément à me gosser. Premièrement, petit cours d'histoire. Qui a découvert que la Terre était ronde? Certains vont dire que c'est Galilée. Petite anecdote, il aurait été brûlé vif pour cette découverte, c'est le fun. Mais selon des recherches historiques, ce serait Aristote qui l'aurait découvert. Il est mort en l'an 194 avant Jésus-Christ. Ça date pas d'hier. Puis il l'a découvert avant même que la science soit très évoluée. Et malgré avec toutes les preuves accumulées avec les années, on essaye encore de prouver l'inverse avec une théorie loufoque. Pour ceux qui l'ignorent, cette théorie affirme que la NASA nous ment et qu'en réalité, la planète ressemblerait à ça. Alors, pour tous ceux qui croient en cette théorie, avez-vous encore votre vieux calendrier de l'année 1100 avant Jésus-Christ? Ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Ça, c'est rond! Donc, on appelle ceux qui croient en cette niaiserie des platistes. Et si vous cherchez des groupes sur Facebook ou Twitter, vous allez en trouver. Comme par exemple, voici The Flat Earth Society. Cette page sur Twitter est remplie de cette théorie. Pour eux, le soleil tourne autour de nous et non l'inverse. L'horizon est trop plat pour eux. Ils se moquent de tous ceux qui prouvent que la Terre est ronde et... ok, non, ça a aucun crise de rapport. Et même eux semblent indécis. Regardez ce post créé par un de ces groupes. J'ai pas réussi à trouver le post original, mais si ça a été supprimé, je comprends pourquoi. The Flat Earth Society a des membres tout autour du globe. Redis ça, mais plus lentement. D'ailleurs, Mike Hugues, un vieil homme, est en train d'amasser des fonds pour créer une fusée pour aller dans l'espace pour prendre des photos et prouver que cette théorie est vraie. Il a d'ailleurs lancé quelques fusées test et il a survécu. Par contre, il a pas l'air d'être bien en forme après ça. Ben bon, c'est juste un détail. Alors désolé, mais je trouve ce gars-là pas très brillant. Pas à cause qu'il croit en cette théorie-là, mais plutôt parce qu'il y a un moyen plus simple de le prouver qui s'appelle un bateau! Où il est assez intelligent pour se faire de l'argent sur le dos des financeurs. Sérieux, pourquoi demander des fonds pour une maudite fusée qui se rendra probablement pas dans l'espace alors que tu peux simplement t'acheter un bateau? Si t'as fait le tour, tu t'es trompé. D'ailleurs, pourquoi aucun platiste a eu la brillante idée de le faire avant? Pourquoi personne a jamais exploré le rebord de la Terre plate? Certains disent que la garde NASA va vous en empêcher avant même que vous atteigniez le bord. La garde NASA? Vous êtes en train de me dire que la NASA est rendue avec une flotte militaire? Ok, même pour un platiste, on peut s'entendre que la Terre est grande. C'est impossible d'avoir une flotte aussi grande pour empêcher le monde d'atteindre le bout de la Terre. Ça prendrait des milliers de bateaux et même encore plus. Je dirais qu'avec le nombre de bateaux qu'on a aujourd'hui, là, ce serait comme prendre 10 personnes pour empêcher quelqu'un de traverser le désert du Sahara. Loin d'être efficace. Beaucoup de platistes ont d'ailleurs une chaîne YouTube et je vais pas regarder des centaines d'heures de ces vidéos-là, faut pas devenir fou non plus. Je préfère éviter la dépression, ok? Mais bon, j'en ai pris quelques-unes au hasard et c'est déjà riche en bullshit. Donc, pour m'aider à juger ce que je vais vous montrer, voici un n'importe quoi au mètre. À chaque fois que les vidéos diront un truc stupide, la ligne rouge augmentera selon son niveau. Alors, faudra peut-être le tester avant. Qu'est-ce que je pourrais dire? La chaîne du petit coprate a beaucoup d'avenir. Va chier, mon tabarnak! Bref, commençons. Voici Schmitty Winkelson. Cette fille croit que c'est pas la NASA cette fois qui mentirait, mais que le fait que la Terre soit ronde a été inventé par les Illuminatis. The Illuminati is like kind of trying to make us believe that the Earth is round. Okay. Ah, non, n'importe quoi, là. Tu vas pas me faire à croire que ça a été créé par les Illuminatis, là.
Bon, ben, on va continuer à regarder. Elle va peut-être dire quelque chose de convaincant. Gravity is not a thing. Let's just take gravity and throw it out. Gravity does not exist in the flat earth society. Je reviens. Hey, salut le voisin fatiguant! Hey, salut, comment tu vas aujourd'hui? Ben oui, hey, ça va super bien. Oh, ta fenêtre est ouverte! Ben oui, c'est quoi le problème? Oh, y a pas de problème, mais check dehors, y a un nouveau restaurant qui va ouvrir. Ah oh ouais, sérieux, je m'en vais voir ça un peu. Ah voyons, y a rien dehors, y a... Ah! Je viens de prouver que la gravité existe. Elle a fait plusieurs vidéos de ce genre, et c'est pour ça que les mauvais commentaires et surtout les dislikes ont envahi sa chaîne. Nous avons presque conquis ce territoire, mes frères, avancez! On n'est pas assez nombreux, où est-ce qu'ils sont, nos renforts? C'est quoi la prochaine vidéo que tu vas faire, maudite folle? Tu vas dire que t'aimes Trump? Et dans l'une de ses plus récentes vidéos, elle essaie de prouver cette théorie avec le jeu Minecraft. I have small proof that the earth is flat. Do you not see? Is there any curvature? No, there's not. This is a real-life depiction of world. Minecraft is a real-life sandbox game that was designed to be like real life. It's just another example of the media trying to tell us that the earth is flat. Bon, oui, elle a raison. Le jeu se veut assez réaliste. Pour faire du verre, exemple, il faut faire cuire du sable. Il y a plein de moments comme ça dans le jeu qui sont logiques. Mais ça s'arrête là. Excuse-moi, mais j'ai jamais vu la lune carrée, des monstres qui explosent ou une grosse araignée aux stéroïdes dans la vraie vie. On aurait un maudit problème sinon. C'est quoi la prochaine étape? Prouver grâce à Mass Effect que les extraterrestres existent? Les commentaires semblent avoir été supprimés de plusieurs de ces vidéos et je peux comprendre pourquoi quand on regarde la qualité de celle-ci. Subscribe to Schmitty. Oh, mais je comprends pourquoi elle pense que la Terre est plate, elle vit encore avec des hommes des cavernes. Voilà, ça c'est une personne qui a aucune preuve et qui dit ce qu'elle pense, mais qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un essaye de l'expliquer avec la science alors que c'est pas leur domaine? Voici Graphimani. Ce gars ici explique que les images prises par la coupole de la plateforme spatiale de l'ISS sont en réalité truquées à cause de la rotation de la Terre qui est pas pareille sur chaque hublot. Et regardez à nouveau ceux des hublots de la NASA, les uns par rapport aux autres. Vous ne remarquez rien? En effet, c'est impossible, sauf si on utilise une caméra 360. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que la Terre est trop grosse à cette distance pour la voir au complet. En plus, lui-même le dit dans la vidéo, je comprends pas comment ça se fait qu'il a pas allumé. Hey, regarde, je le sais que le sujet est honteux, c'est pour ça que je porte un masque innocent. Il affirme ensuite qu'il entend un son quand les astronautes sont à l'extérieur, ce qui est pas censé arriver car il y a pas de son dans l'espace. Et ça aussi c'est vrai, car on a besoin d'oxygène pour entendre du bruit. Donc, d'où vient le son? De l'intérieur de sa combinaison, là où est probablement la caméra. Wow, wow, attends, man, il y a trop de logique dans ce que tu viens de dire, je comprends plus rien, moi, là. Par la suite, il nous montre cet extrait-là. Mais ne serait-ce pas des bulles? Oui, ici. Et encore ici. Voyons, ah, mais ça peut être n'importe quoi, un reflet, un morceau de débris, une crotte de nez, je vois pas nécessairement une bulle là-dedans. Non, 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 c'est une bulle, j'ai raison, ta gueule. Bref, je m'attendrai pas plus sur lui, il dit beaucoup trop de choses. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes curieux. On va s'attaquer à un autre. Voici Glenn Hall, mathématicien qui n'est pas fou. C'est lui-même qui le dit. People who know me personally know that I am not a fool. When I first heard about the flat earth, I totally ignored it. Et t'aurais dû continuer à ignorer. Mais vas-y, continue. Hey, je veux voir ta preuve, hein. So you start your journey at the Arctic and you begin to go south. I get down here to Antarctica. But yet you just flew down here. You're upside down. You can't deny that proof. C'est ça ta preuve? Mais c'est stupide! Même l'explication sur Minecraft est un peu plausible! Même le reportage d'HBO est dur à nous convaincre. On se rend compte que c'est difficile de les croire. Déjà, un hippie qui essaie de nous convaincre que cette théorie est vraie devant sa belle caravane verte weed, on peut s'entendre que côté crédibilité, on a vu mieux. Bon, j'arrête de vous montrer des vidéos. Je pourrais continuer pendant une heure. No joke. Mais voilà, je manque de temps. Je manque de patience aussi. Pourtant, une planète quasiment plate... C'est pas nécessairement impossible. On en a une dans notre système solaire. Voici Haumea. Alors, c'est plus une planète naine et non une vraie planète, mais la raison pourquoi elle est plate, c'est parce qu'elle tourne trop vite 4 heures pour faire un 360 degrés, 6 fois plus que la Terre. Et comme vous pouvez voir, elle est pas entièrement plate, elle non plus. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça?
Eh bien, c'est pour vous faire comprendre à quel point il faudrait que la Terre tourne vite en crisse pour qu'elle soit aplatie elle aussi. Je crois pas que ce serait vivable. Chérie, je m'en vais faire l'épicerie, je reviens. Bon, alors, si vous croyez encore que la Terre est plate après tout ce que j'ai dit, alors dites-moi une chose. Pourquoi tout le reste est rond? Le Soleil est rond, la Lune est ronde, Mars est ronde, Pluton est ronde, Antoine Bertrand est rond. Pourquoi la Terre serait l'exception à la règle? Et surtout, à quoi ça servirait que la NASA nous mente à ce sujet? Oui, c'est vrai que la NASA nous ment quelquefois, hein? Comme exemple, quand ils disent qu'ils ont trouvé une planète qui est peut-être semblable à la Terre, c'est probablement pour avoir des fonds, rien de plus. Mais mentir sur la forme de notre planète est probablement le truc le plus inutile à faire. Mais en plus, c'est même pas eux qui l'ont découvert. Et Internet aide pas, c'est rempli de trucs faux, donc il faut faire attention où est-ce que vous prenez vos infos. Et quand c'est pas l'Internet qui s'en mêle, ben c'est la religion. They're lying, I ain't buying. So who's they? Well, basically, Satan. Honnêtement, je veux pas traiter ces personnes-là d'imbéciles, parce que je me considère pas comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et avec raison, t'entends des voix. Et toi et ta gueule. Par contre, je serais prêt à les traiter de naïfs. Ils veulent tellement croire en cette théorie-là que quand on leur prouve l'inverse, ben ils font l'ignorant. Même cette vidéo-là les convaincra pas, là. Faut pas déconner, se remettre en question, c'est trop forçant. La Terre est pas plate et nous ne sommes pas le centre de l'univers. Les platistes sont aveuglés par de fausses preuves ou par leur religion. À croire qu'après toutes ces années et ces centaines de meurtres, que j'ai seulement tué les personnes les plus intelligentes. Shit, c'est ma faute! Tant pis!